Bonjour à tous. Voici une nouvelle petite inspiration naturienne au sujet d'un mouvement de pensée que je trouve très intéressant, qui est l'antispécisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'antispécisme, l'antispécisme se définit contre le spécisme, le spécisme étant à l'espèce, aux espèces, ce que le racisme est aux races, ce que le sexisme est au sexe, c'est-à-dire la définition d'une hiérarchie entre les différentes espèces, dont bien sûr celui qui en général définit cette hiérarchie se situe au sommet. Et donc l'antispécisme est un regard très critique et remet en question cette notion de hiérarchie. Et d'ailleurs, de ce fait, fait un pas en dehors du dualisme vers la réunification. Donc déjà, ça c'est un point très positif. Dans la pratique, les antispécistes sont généralement végétaliens. Premièrement parce qu'ils ne veulent pas tuer des animaux pour se nourrir, mais comme les végétariens. Mais en plus, ils ne veulent pas, surtout pas les exploiter non plus. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne mangeront pas de fromage, parce que le lait est issu de l'exploitation de la vache. Et en plus, la plupart des fromages, si on regarde bien, sont issus aussi, enfin, ont besoin pour se faire de la présure qui se trouve dans l'estomac des veaux. Donc on est obligé de tuer le veau, et donc pour manger du fromage, il faut bien que quelqu'un mange le veau derrière. Donc voilà. Donc globalement, au niveau alimentaire, les antispécistes sont végétaliens. Alors, pour commencer, après cette petite présentation rapide de l'antispécisme, je vais commencer par souligner quelques limites de l'éthique antispéciste. Alors, ma première remarque sur cet antispécisme, c'est que il ne porte en général que sur la vie animale et les végétaux. On considère en général que le végétal ne ressent rien, donc il ne ressent aucune souffrance quand on le cueille, quand on le mange. Mais quand on considère que les plantes sont capables de stress, qu'elles sont capables de communiquer entre elles, genre quand il y en a une qui est agressée, qui commence à se faire bouffer par un de ses prédateurs, elle est capable, par la diffusion d'hormones par exemple, de prévenir ses congénères qui vont sécréter à leur tour, qui vont réagir et qui vont sécréter un répulsif par rapport à ce prédateur. Donc déjà, ça fait réfléchir sur cette notion de souffrance inexistante chez les plantes. Et finalement, ça m'amène une autre réflexion qui est: mais finalement, cette limite entre l'animal et le végétal, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est pas justement seulement une projection, un outil de compréhension qui nous permet de classifier pour essayer de comprendre un petit peu mieux le vivant? Mais est-ce que finalement cette limite n'est pas purement et simplement inexistante? Et qu'en fait, on n'a pas deux règnes de deux couleurs différentes bien tranchées, un contraste, mais au contraire un nuancier vers deux pôles, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls, un pôle plus animal, un pôle plus végétal, avec pas mal d'espèces qui sont un peu à la frontière entre les deux, qu'on a du mal à classer. D'ailleurs, les coraux, par exemple, on a longtemps cru que c'était des plantes et puis on les a classées il n'y a pas longtemps dans la catégorie des animaux. Le champignon qu'on considère comme une plante, bon, on commence à se demander s'il n'est pas aussi en partie animal. Enfin, voilà. Donc c'est finalement, c'est peut-être cette limite qui nous met en porte-à-faux, tout simplement parce que moi je considère qu'elle est inexistante. Et d'ailleurs, finalement, le terme animal vient du latin anima, l'âme, le cœur. Moi, je dis le cœur en général. C'est en fait, finalement, la vie de la matière. Je vais appeler ça. Il y a le corps qui est la structure et l'âme qui est ce qui l'anime, cette structure. Et ben, je considère, moi, que les plantes n'en sont pas dépourvues. Et
pourquoi pas même étendre cette notion du vivant d'âme à des mondes qu'on considère comme non vivants pour l'instant, les minéraux par exemple. Finalement, cette séparation qui est certainement héritée du dualisme, nous induit certainement en erreur dans nos considérations. Et donc, si on prend en compte la souffrance possible des plantes, et donc tout simplement leur vie, si on voulait être antispéciste total, ça nous laisserait peu le choix. Il y a tous les délires respiriens auxquels je ne crois pas trop. L'option fruitarienne, qui serait le fait de ne manger que des fruits, car le fruit est considéré comme non pas comme une partie vitale de la plante, mais au contraire une stratégie qui vise à justement à attirer des animaux qui vont manger le fruit et disséminer les graines qui sont contenues dedans aux alentours pour permettre d'éparpiller un petit peu les semences. D'ailleurs, une fois qu'il est mûr, en général, le fruit tombe de l'arbre. Mais voilà, même en agriculture bio, il faut tailler les arbres pour produire beaucoup de fruits. C'est le principe même de la taille. On taille les arbres, il semblerait que ce soit que l'arbre réagisse comme ça, se sentant menacé, il va produire beaucoup de fruits, parce que se sentant sur sa faim, il faut qu'il génère le plus d'enfants possible. Donc on est là aussi dans une agressivité très forte par rapport aux plantes. Et donc, si on voulait être antispéciste cohérent pleinement, il ne faudrait se nourrir que de fruits sauvages. Ce qui est quasiment impossible, en tout cas ici maintenant, là par exemple là où je suis, c'est juste impossible. Ça doit être possible dans les pays tropicaux, ce qui est peut-être d'ailleurs le rêve finalement. On a peut-être tous cette nostalgie de ce genre de pays qui doit être notre terre primordiale, je sais pas. Mais voilà, donc ça nous conduit à de nombreuses impasses et qui rendent très difficile la cohérence. Par ailleurs, j'avais envie de souligner qu'il y avait d'autres formes d'antispécisme qui, elles, consomment la chair animale. On a chez les peuples premiers, chasseurs-cueilleurs, en tout cas chasseurs, généralement cette attention extrême portée à la vie que l'on note pour pouvoir vivre. Et on ne chasse jamais sans remercier et demander pardon à l'animal et à l'espèce entière du prélèvement que l'on fait qui est nécessaire pour notre survie. On a aussi une autre considération de ce genre chez nous. Même si nous sommes une culture qui élève et consomme énormément de viande, on a quand même, apparemment c'est une spécificité en Europe, ce souci d'éviter la souffrance animale, et ce qui va nous encourager à l'assommer, à l'engourdir, l'animal, avant de le tuer, de le mettre à mort, pour que justement il n'y ait pas cette souffrance. C'est d'ailleurs tout le problème des abattages rituels qui ont fait débat, c'est que ils ne mettent pas en place cet engourdissement, cette limitation de la souffrance. Et on sait maintenant que un animal qui souffre, qui est affolé, qui a peur quand il est abattu, juste avant d'être abattu, va générer énormément d'adrénaline, de stress et donc de toxines, et donc sa viande va devenir empoisonnée. Ce qui nous amène du coup à la deuxième partie, traitant de l'hygiénisme. Donc face à toutes les difficultés, voire l'impossibilité de mise en application d'un antispécisme total, ces limites éthiques, il me semble intéressant d'aller prendre un autre point de vue, celui de l'hygiénisme, d'avoir recours à lui
justement pour soutenir cet antispécisme. Premièrement, parce que ça ne sert à rien de vouloir épargner la souffrance des autres si c'est pour souffrir soi-même. C'est-à-dire que on ne respecte pas la vie si on ne commence pas par respecter sa propre vie, la propre vie qui est en nous. Et l'hygiénisme est là justement pour permettre l'épanouissement de notre organisme, notre corps, notre cœur. Et si ça s'est fait, alors notre esprit peut commencer à fonctionner très bien, de manière efficace et de manière très intelligente. Et finalement, qu'est-ce qu'il propose cet hygiénisme ? Eh bien, il va déjà nous faire un grand pas du côté de l'antispécisme total, puisqu'il va considérer que nous sommes des animaux frugivores, c'est-à-dire que nous devrions manger entre 70 et 90% de fruits sucrés pour vivre. Pourquoi pas un peu de verdure ? Mais il y a une porte qui reste ouverte vers un certain type d'alimentation animale, qui sont les insectes et les fruits de mer. Les fruits de mer principalement, ce qui d'ailleurs nous ramènerait à confirmerait même la théorie de nos origines aquatiques, semi-aquatiques. Et ces fruits de mer, à condition qu'ils soient frais, qu'ils ne soient pas contaminés par un parasite, sont la viande la plus hygiénique qui soit, en fait, et qui ne crée aucun dommage. À part, comme je le disais, s'ils sont avariés, ne créent aucun dommage à notre organisme. Et donc, à mon avis, il vaut mieux pratiquer cet hygiénisme, c'est-à-dire manger principalement des fruits et un peu de fruits de mer de temps en temps, plutôt que de ne pas manger de produits animaux du tout, mais de prendre le risque de certaines carences et d'autres, surtout de certains excès qui vont générer des carences en eux-mêmes, en mangeant des féculents, des matières grasses ou des drogues comme tabac, alcool, café, etc. Je pense que l'ensemble du vivant, donc pas que le monde animal, mais l'ensemble du vivant ne s'en portera que mieux si on arrive à mettre en pratique l'hygiénisme, plutôt que de s'enfermer dans une idée noble en soi, mais qui pourrait éventuellement être pathogène et bancale surtout. Alors en conclusion, j'avais envie de dire trois choses. La première, c'est que l'un des piliers fondamentaux de l'antispécisme, pilier extrêmement positif, c'est notre empathie, notre compassion, qui est cette chose particulièrement développée chez l'humain, mais parce qu'il est un mammifère. Et c'est chez les mammifères qu'il est plus développé, parce qu'il y a ce lien mère-enfant durant la gestation et poursuivi avec l'allaitement, qui est en fait tout simplement le signe de développement de notre cœur, de l'attention qu'on porte à tout le vivant. Et donc, cette compassion, cette attention, cette affection pour le sort réservé à la vie, et tout à notre honneur, et fait partie de la nature de notre espèce. Juste, il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par une idéologisation trop forte qui pourrait nous nuire à nous, dans une certaine mesure, quoi. Peut-être éventuellement un deuxième pilier, celui-là négatif, de l'antispécisme, en tout cas de ses conclusions, de ces modes opératoires, est certainement notre peur de notre propre mort et donc une certaine angoisse existentielle dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et dans notre société dualiste, on a appris à vivre en dehors des cycles naturels. Et donc, non seulement la survie dont nous faisons l'objet, et en plus cette sortie des cycles naturels génère cette peur de la mort et donc cette culpabilité à la propager. Et donc finalement, sans revenir sur cet antispécisme, cet anti-dualisme, il me semble important, au contraire, même que ça va dans ce sens-là, de reconsidérer notre propre mort,
notre propre vie, notre propre mort, comme faisant partie d'un de ces nombreux cycles de la nature, et que si nous nous nourrissons du vivant, nous aussi nous nourrissons du vivant. À notre mort, nous nourrissons énormément de toute une faune, toute une flore, les uns après les autres, avec ce qui reste de notre corps, mais aussi de notre vivant, puisque comme nos cellules se renouvellent sans arrêt, par exemple, on perd de la peau ou en déféquant. Enfin, on a un cycle permanent dans notre vie qui nourrit là aussi la vie. Donc, à mon avis, on peut se déculpabiliser d'avoir à prélever de temps en temps sur la vie animale, si ça reste de temps en temps, hein, si ça reste. Si on reste en dehors de l'excès, mais aussi, à mon avis, c'est important, en dehors de la carence. La vie se nourrit de la vie, et nous-mêmes, à notre tour, à moins qu'on ne se fasse incinérer, ou à moins qu'on ne se fasse embaumer, si on permet à notre corps, si on accepte cette vision de la vie et de la mort, de ce cycle, de cette décomposition, cette composition-décomposition, alors on réintègre complètement le cycle de la vie, et à mon avis, on n'a plus trop à s'en faire sur le fait d'avoir à tuer s'il le faut pour vivre. Et puis finalement, à mon avis, c'est qu'en passant par l'hygiène qu'on va pouvoir efficacement réduire notre impact souffrance sur le vivant, à commencer par nous-mêmes, mais comme tout est lié, ça va forcément ressurgir sur tout. Et si éventuellement, je ne dis pas que c'est impossible, ne vivre un jour que de fruits sauvages, vraiment vivre cet absolu fruitarien antispéciste, ça ne peut passer que par un mode de vie hygiénique, qui va permettre déjà de fonctionner correctement, et ensuite peut-être que petit à petit on pourrait arriver à vivre cet idéal. Mais pour vivre cet idéal, il faut d'abord en passer par le principe de réalité. Voilà, à bientôt.